Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission Tango Cookie. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être toujours là devant vous. Nous sommes dimanche, chers compatriotes. Bonjour et bon dimanche à vous tous qui êtes là en train de nous suivre sur Tango Cookie RDC dans l'émission Tango Cookie. Stéphane Balamwangé, l'infatigable. Le général de l'armée numérique en charge des opérations, je suis là dans le souci de recadrer certaines choses, de vous informer, de vous divertir par moments, et puis dans le souci de défendre la patrie. Ici chez nous, nous prônons la méritocratie et le patriotisme. Alors, nous sommes obligés de vous informer et d'amener les choses plus haut, d'apporter un sens vrai, critique bien sûr, de certaines questions de la vie nationale, sans peur, ni crainte, ni flatterie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, on n'a pas besoin de plaire à quelqu'un, mais on a plutôt besoin d'apporter des remèdes, des solutions, des propositions à nos dirigeants, Ponambo Kanabiso et Kendeliboso. Loin de nous l'intention de nuire, loin de nous l'intention de faire du mal à nos autorités. Pourquoi? Puisque nous les aimons toutes dans les soucis de chercher le bien-être du Congo. Chers compatriotes, je vais vous parler des ambitions au sein de l'Union sacrée. Après avoir consulté l'informateur Augustin Kabuya, Makambo Vital Kamerhe Toyoki Namato Iponaye, nous allons essayer d'analyser ça. Nous analyserons également la question de l'Est. Au moment où je vous parle, minéré ezobimase kobima. Minéré ko ezobimase kobima. Et je me demande, nani azobimisa minéré? Bandekonangaye, c'est trop fort. C'est trop fort. Commençons d'abord avec Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, déjà l'information, tout ça, dans le Isaac, a été comme un professeur associé nommé à l'UNIKIN. Bonne chance pour Vicky. Et ça l'a vraiment à bien. Puisque chez nous, le politicien, Makambouye, la Kabangou, a facilité mieux. Et surtout ceux qui basent le pouvoir. Ah oui, hein? Les politiciens au Congo, c'est comme ça. On est déjà habitué avec cette mauvaise habitude des choses. Je ne suis pas contre sa nomination, mais du moins je dis que Nambo Kanabiso, un politicien, au Yazaka à côté à pouvoir, Makambouye la kaye pété. Regardez Moïse Katumbi aujourd'hui, comment il pleure. Il semble que Mazembe n'est plus pris en charge par le gouvernement congolais. Je me dis non. Mazembe n'appartient pas à M. Moïse Katumbi. Mazembe, c'est un club congolais qui doit être mis en charge par le gouvernement congolais. Ou soit, Mazembe et sa société, il faut y foutre un pack. Mais ce qui Mazembe, c'est qu'il est single et bénéficié, n'est club Nyonso. Pourquoi ne pas donner à Mazembe les moyens? C'est l'un de nos meilleurs clubs. Mazembe n'est pas identifié à la personne de M. Katumbi. Oui, certes, il s'est accaparé de Mazembe, mais Mazembe reste un club congolais. Mazembe a joué déjà le samedi, ils se sont qualifiés. Bien sûr, ils se sont qualifiés. C'est la fierté du Congo. Il ne s'agit pas de Mazembe Moïse Katumbi. Mazembe existe avant Moïse Katumbi, sauf que c'est Moïse Katumbi qui s'est accaparé de Mazembe. Ok? Oui. Mais Mazembe, ça reste un club congolais qui doit être pris en charge par l'État congolais. On ne peut pas mélanger le maïs. Nafoumbwa. Non, ne mélangeons pas le maïs, Nafoumbwa. Totia dans c'est là. Ok? Oui. Yamboka, il y a bien individu, ça y a bien individu. Quelle que soit ma tendance, Nabango. Ok? Vital Kamerhe est professeur associé. Oui, aujourd'hui, le professeur associé. Merci. L'information que j'ai, Vital Kamerhe, après avoir monté le PCR pour Akoma, Premier ministre, ça n'a pas marché, histoire dénoncée par tout le monde, et aujourd'hui, il a reculé, il est fragilisé, mais il négocie l'Assemblée nationale.
Vital Kamerhe négocie l'Assemblée nationale. Bien sûr, selon les informations à ma possession, l'homme est en train de se battre vraiment bec et ongle pour asseoir l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pensez-vous donner à Monsieur Vital Kamerhe l'Assemblée nationale? Oui, chers compatriotes, donner à Vital l'Assemblée nationale, il le mérite, hein? Mérite dans le sens que il est intelligent, oui, il est intelligent, il a les capacités de diriger, oui, bien sûr. Ok, merci. Mais dans le contexte, il y a configuration, il y a pouvoir, il y a président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donner l'Assemblée nationale à Monsieur Vital Kamerhe, c'est se coller une balle dans la tête, quoi. Vital Kamerhe, si vous lui donnez la gestion de l'Assemblée nationale, d'entrée de jeu, le grand Kivu, il tombe. Puisque il ne sera plus ni Premier ministre, ni président du Sénat. Puisque Kamerhe est déjà au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas donner à une seule province deux institutions, Malamoko. Voilà. Donc politiquement, tu déjà tombe. Mais donner l'Assemblée nationale à Vital Kamerhe, c'est une erreur grave. Ouais. L'Assemblée nationale, c'est une institution, il y a banjé nyons. Tout passe par l'Assemblée nationale. Ouais. C'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui peut mettre fin également au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui sanctionne le ministre, qui sanctionne le premier ministre, qui sanctionne le 2G, qui sanctionne tous ces gens-là. L'Assemblée nationale vote les lois. L'Assemblée nationale opère de réformes. Moko boyinaba loi yandenge. Donc l'Assemblée nationale joue un très grand rôle dans Matali Mboka. L'Assemblée nationale étale makambo budget. L'Assemblée nationale étale la kalisu sur makambo ya kopesa mokonzi to permission ya kosa la guerre to nini. L'Assemblée nationale gère, contrôle et gère aussi certaines questions cruciales et Mboka. À tel point que donner ça à Vital Kamerhe, le gouvernement qui sera mis en place, Vital Kamerhe va soumettre Bango à l'autorité naïe et va causer la plus dans le banga Kamerhe que tu sais que va causer la plus dans le banga Kamerhe que tu sais que Kamerhe va faire de tout son mieux pour à contrôler Kabango matin, midi, soir. Il suffit population gangamouké, ministre Yaka. Il suffit de la gangamouké, ministre Yaka. À cause ça, là, une gestion propagandiste, dans le sens que je suis là, j'écoute les difficultés du peuple, j'écoute les doléances du peuple, et j'interpelle le ministre à tout moment, je le convoque chez moi. C'est ça. À comme ça, gouvernement, il y a ping-pong. Et il y a comme un comme on tout est. Et à cause ça, la paix à volonté, et comme un moment, il y a que. Président a un dossier crucial à confier à un ministre. Il va comprendre, noter qu'est-ce qui se passe quand même. Mais il bango a un président à la place publique, à Simbisi président touche. Kamer. Bino va tout ça la lobbying pour la caméra à la président de l'Assemblée nationale. Vous n'aimez pas le président du Tshisekedi. Kamer se prépare a joué un rôle très important pour la survie politique en 2028. Ouais, tout ce qu'il cherche, c'est ça. Il peut perdre beaucoup de ministères, mais pour lui, il est à se retrouver dans le Sikamokoboye, où il a joué un rôle Yamakas. Ce qui a commis Premier ministre, a commis président de l'Assemblée nationale, dans le poste de Balewana, je vous dis, il va jouer un rôle Moko, où il puisque Premier ministre a sa capacité à sanctionner ma ministre. Premier ministre. A sa capacité à sanctionner ma ministre. Ce qui a sa président de l'Assemblée nationale, ou alors a sa capacité à révoquer la banque. La capacité à bengala la banque.
on n'a pas peur. Il y a que Akosa, le président de la République, ombrage. Certainement, Akosa, la ombrage, pour abîmer sa moutou, n'aïe batoban de ma yende. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Sa position dans ma cambretali est, est en aka ambigu. Pour Aza moutou, ou ya kenda déjà, et pas ya. M23 bakutana bango oyo basolo to yebite mais aya lobaka ke mokozi ndima bosala na bango dialogue au nom de la paix. Donc président de l'Assemblée nationale ba lobbying ebele zo salema sur le plan international po mutu oyo akosala président de l'Assemblée nationale ameka kosala ba réforme ya ba loi na biso mususu oyo ezo kanga bato étrangers pour pas s'en sortir facilement tenambo cannabis. Et n'oubliez pas que c'est l'Assemblée nationale qui débatte sur projet de loi électorale au gouvernement Tindak. Donc l'Assemblée nationale joue un rôle très important car elle reconnaît la force de la tricherie, elle connaît la force de la corruption, elle connaît la force du combat politique, elle connaît comment désorienter aussi les députés, comment créer son réseau na kati assemblée nationale avec des pires petits na baya ya mususu pour créer son système ya ya bokuluka par tous les moyens bo ko sa caméra bo raté. Ah oui, caméra président assemblée nationale et ko sala kana ministre moko ya de personne ministre moko sala makambo ya bien ou ezo pesa président moi makambo ya ngwasuma ya ka. N'osez pas. N'osez pas, vous qui se battez pour comme président de l'Assemblée nationale. Vous commettez, vous risquez de commettre l'irréparable. Et président, à Kabonaka, des fois, on a battu difficilement. À cause de la taille, on a dit que la caméra était pour avoir une crise interne et qu'on sort. Mais à travailler dans le chagrin dans mon thème. A koulouka contourner le coin par tous les moyens et comme un bémol en torse la gouvernance d'aïe. N'osez pas. J'ai dit n'osez pas. C'est comme je le disais. Il est intelligent, il est bon, oui, c'est bien. Il peut devenir premier ministre, il peut devenir président de l'Assemblée nationale, mais n'a pas rangé au tosan à yango, n'a le lingo photo qu'il t'a percé. Présent, tu sais qu'il n'a pas besoin d'abattre le coulo à bangoté, la bisikawana. Bango bazana makanisi moussous. Président, acha moutou ou ya kozala sans enjeu na moutou naye. Moutou ya kouya pour a gérer les stations, c'est celui-là qui viendra aider le président. Ce qui bino bo kendenge bo zolika bo kende wana, merci nabino, na kouya kaka pour na yibisa bino ki bo mouni, pisika to sou ki. Vous comprenez? Oui, attention. Kamere n'est pas votre ami. Il n'est pas votre ami. Asi azu kou na niveau ya PCR. Puisque là, il n'est plus consulté comme PCR. PCR est l'ali. Oui, PCR est l'ali. Va consulter, va tourner, va tourner en coin, à bango. Tu sais qu'elle dit, a fragilisé Kamere. Et présentement, tu sais qu'elle dit, ah, le pouvoir rebeller la mambo qu'on a eu. Tout le monde est là. Yende a ko pona, nani a ko travaille na ye, nani a ko pesa yon rôle X, Y. Va tout va ko exprimer l'ambition na bango. Laissez au président, tu sais qu'elle dit, de décider une seule fois pour toutes et mboka na biso ezwa elan ya sika. Ne laissez pas, n'induisez pas le président à côté en erreur. Kamere aujourd'hui azali sous na point ya kou alte no tangis a comme professeur associé a kou no tangis là il est bien article à la députée nationale soki boko yo kate biso soki boko yo pe ko yo ka pona malata li boso Kamere article à la députée nationale. Laissez-le député national. Bati atika la député national. Bato anaba joué rôle en société. Baza la ba député national. Point barre. Baza ba personnalité. Baza ba chef ya ba regroupement na bango. Baza ba chef ya ba parti politique na bango. Bati ka l'influence na C. Bopé sa bango influence institutionnelle en société. Et ils nous ont déjà induit en erreur na makambo ebele. Je ne voudrais pas entrer na ba pota. Dans la porte, nous sommes sous la présidence. Où le président a bungisa batuya motuya. Le colère a poison. N'a pas Covid créé. Moutoua, maman batuya na tire l'autre. Tout ce qu'elle a couru, baïté. N'a l'ingité. N'a l'ingité.
Bah, tout, oh, bah, si, bah, jouer un rôle là-bas, bah, vendre d'abord dans le garage. C'est tout. Il faut savoir maintenir Batou et créer un autre système. Bango, parce que le système, déjà, ils ont la moka, déjà, ils ont la bango, ils ont la boko, la bango. Créons d'autres régions. Bavon, d'abord, influence la bango est diminuée quand même. Ok? Influence la bango est diminuée quand même. Bango, ça influence, il y a ma case sur ma députée nationale, puisque ma mandat la bango, il y a ma députée, et comment mandat hein? Libre. Vous comprenez? Oui. Et député, comment il peut la liberté? Il y a comme ça la moussala naïe. Laissez, 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 laissez. Bravo, naba imboka, oyo basala qui marche. Naba mboka. Ya poto. Pour na kotele me la polo kagame. Moutema mwangayi mosepeli makasi. Nandenge botele me li polo kagame. Wilfried, je pense à vous. Merci beaucoup à Wilfried. Wilfried, ensemble, naba compatriote nyonso, vous avez organisé une grande marche. Et, yaya, bana poto le loba koma koloba. Langage Mokona Congo. Hein? C'était à Bruxelles. Na Bruxelles et Yinda qui na marche Salemaki. Le 23. Mama na marche. Ba Congolais basa qui belé na Bazamba. Qu'est-ce que je dis? Na ba venu. Ba lobi na Kagame. Bouzouba na yo isili. Et là c'est à Bruxelles. Marche oyo nazo tchela bino yango nano bon mona nano ambiance ligne zala ki kaka et plutôt son dans la plateau. Ok, au Congo, stop, stop la holocauste. Là, vous venez de suivre nos compatriotes congolais, na niveau ya poto, na Bruxelles. D'abord, Bruxelles, c'est Belgique, non? Na katia Union européenne, oyo bango ba sangani, pour na kopé sa Rwanda, makasi, ba signé ba partenariat, pour ba zwa ka minere na biso, et ki na kepa na bango, n'est-ce pas? Bolandi bango, non? Bolandi ba Congolais basu conscience ba Congolais basu conscience patriotique ba débité et j'ai vu des enfants il y a ba Congolais ou abotami na poto mais makila ezo lo bakaka débité tout est ma balati ba drapeau na biso ba telemi na malili ya poto balati ba débité nous devons braver le froid et puis défendre le pays. Ça, c'est le vent. Ça, c'est le vent. Aux hommes pépé, aux anciens va diriger la biso, va capitaliser yango. Mon pépé, oh yo va congolais va tomboli, aux anciens va conduire va capitaliser yango. Chers dirigeants, et loco oh yo bande ko ba sali na poto, na et loco oh yo bana ki sa sana bana ba province nsusu, ba koma ki ko sala. Tout ce que je demande aux Congolais. Et ça, qui beau casser le côté. Beau pour ma moutouté, beau finga moutouté, mais beau ça la banderole, la binon, na ba calico, beau comme stop holocauste, stop génocide, Kagame sanguinaire, Union européenne, tout ça d'accord, la binoté.
vous devez penser au Congo, le Congo, ezali zambate Congo, ezali sika oyo bato bazali et nominerai eza na posa ya ebo makabiso te, mais venez prendre nominerai na porte. Chers compatriotes, moto wana soki peli ndengi wana, bato babimaka na babalabala baganga ka balobaka, le monde entier va parler de nous. Le monde entier va parler de nous. C'est le peuple qui se libère. Je suis totalement heureux. Il y a comme un bandeko, basali et loko basali dans Bruxelles. Wilfried ensemble avec Batunyons, Oyobongi c'est loko dans Bruxelles. Que le Dieu des ancêtres du Congo vous bénisse. Vous avez touché mon cœur. Je me suis rendu compte. Ce n'est pas pour rien vous me suivez. Ce n'est pas pour rien nous sommes ensemble. Nous devons tous nous battre pour ce Congo. Liberté à Congo. Et que vous n'avez pas conduit à sauter. Ne vous trompez pas. Non. Liberté à Congo. Et que vous n'avez pas peuple congolais. Bakonzi, bazalaka batu. Il y a double face. Face à Liboso. Il faut battre là. Bokonzi. Relation n'a pas grande puissance. Et face à Mibale, Baba te la peuple. Alors, toi tenir ma conscience sur rigueur, toi yina bangote. Ba kouki kocha mon tomba la mon côté, ba kouki kolo ba langage mon kona peuple. Ba konze ba lo ba kana ba diplomatie na ba langage na bango. Biso peuple, tout le ba na langage ou ya biso ya mécontentement. Toi la kisa mon entier que on n'est pas d'accord. Les gens comme tu, ils ont pas consulté, pas bon macandé biso peuple. Est-ce que vous comprenez? Alors biso peuple totalement. Les femmes sont violées, les enfants sont massacrés, crimes contre l'humanité. Et au-delà de ça, biso peuple toujours vivre dans ma condition précaire. Avez-vous vu? Bah consulté bazola la, bisika bato bazola sacré bazola la. Bon moi les bah consulté bazola la ma condition bato bazola sacré. Non. Mokoza wala landa kuna ye climatisé ba soda baza libanda na biso peuple nemu tutola na kalibanda on vole zonoka pas ça. Alors lorsqu'il faut marcher, il faut marcher. Lorsqu'il faut lutter, il faut lutter, mais ne cassez rien, n'insultez pas. Oui, ceux qui vous vendent bozo zela nyonse pas ba konzi, vous n'aurez rien. Peuple nemu to stimula ka bokonzi. Et tant que mon conseil que ne pas ya batou sou basa na bangwana be bande kubotala. Ici chez moi ça brûle. Population n'a supporté le sous-outil. On doit faire quelque chose. Et la communauté internationale n'a jamais eu peur ya maloba ya bakonzi. Mais la communauté internationale a banga ta peuple. Vous comprenez? La communauté internationale a banga ta peuple. Ne croisez jamais les bras. Bravez la peur. Il faut toujours revendiquer. Il faut toujours manifester votre mécontentement. Bovandi, on dit que vous avez bien. Non, dans le monde, rien ne va. L'insécurité bat son plein. On tue les Congolais. Nos FRDC se battent, oui. Bazo Bunda. Et Ouazalendo, Bazo Bunda. Mais les Congolais sont tués. Et ce qui est étrange, nos frontières sont toujours ouvertes. Ça, c'est ce qui est étrange. Hein? On nous tue, tout ça, la position de mon côté. Je l'ai toujours dit, tout ça, la guerre, tout ça, la pété. Mais nous continuons à faire quoi? Enterrer. Et c'est révoltant. Alors, ne croisez pas les bras. Ne fermez pas vos bouches, il faut parler, il faut crier à haute voix, il faut aller vers les ambassades, il faut amener vos mémos, il faut dire à haute voix Holocauste au Congo, stop, stop, et il faut dire, vous devez manifester. Les Congos, aujourd'hui, na Congo, nous vivons dans une situation critique, complexe, oyo, et aussi na bisognons sur chaque jour. Et c'est comme ça que je dis,
à la communauté internationale qu'au Congo, on tue. Vous qui tuez au Congo, vous devez arrêter. Et maintenant, qui tue? Rwanda. Et qu'est-ce que nous avons pris comme décision contre les Rwandais? Ambassade à Rwanda, ah ouais, ils ont fonctionné. Ambassade de Nabisson à Rwanda, ils ont fonctionné. La frontière entre Bisson et Rwanda, ils ont fonctionné. Ils ont fonctionné. Sommes-nous vraiment en guerre ou nous sommes complices de ce qui se passe? Voulons-nous vraiment la paix ou nous sommes complices de ce qui se passe? Mais entre-temps, la communauté internationale a laissé le président Pongi. Alibi kendela na Rwanda. Kendela na koto yo kuta na ba oyo bo sola. Te ma pasi, nzo to mali. Président devrait garder position ya kanda. Aki kuna ba sololi, oui après. Aki kuna ba sololi, et après. Ko sola ba solola, mbale bele. Tozo solution. Tozo solution, te. Merci na ba diaspora na biso niveau ya Bruxelles. Monsala Bosali, j'étais très heureux de vous. Merci beaucoup. Alors, Nathan la deuxième dossier. Tout ça, ma cambo. Oyo ka siko minere ni nzo kine. Yo ka siko minere. Yo ka minere. Oyo ka. Omi tu nzo kende wa pi o. Ambongo si a parlé. Nako koma na mbongo. Nako koma na mbongo. Ah, problème social la biso. Injustice sociale, trop comme Ango. Au moment où je vous parle, il semblerait que plus de 500 jeeps de députés déjà y aient. Ah! Bah, écolo Congo. Bah, écolo Congo, bah, ça va dire la Bango Karate. Et au moment où je vous parle, le magistrat congolais, nouvellement nommé, bah, ça va transport en commun. Bah, ça va transport à 45 000 francs. Bah, qu'il ne va pas ça. Bah, qu'il ne va pas Ilibou. Bah, qu'il ne va pas. Talent méchanceté institutionnelle. Injustice sociale. Ah, Seigneur, tout le monde a dit que nous sommes là. Il y a des locaux, RDC, des tonnes de minerais emballés en colis évacués vers le Rwanda. La société civile locale alerte sur la série de pillages de minerais congolais. La société civile de Masisi a alerté samedi 24 dans un communiqué sur l'exploitation et le trafic de minerais de Rubaya par le M23RDF. Plusieurs tonnes de minerais, notamment les coltans, sont en train d'être évacuées nuitamment dans la région de Rubaya vers la cité de Mushaki. Après la réception de ces minerais, le M23 utilise les véhicules des renforts au retour comme moyen de transport de ces minerais en passant par Kaoussa, Kiloliwe, Kichanga, pour chuter principalement à la cité de Bunagana, où les comptoirs clandestins sont installés avant le transit vers le Rwanda, a alerté Telsfor Mitondeke, président de la société civile de Masisi. Il y a une semaine, j'avais expliqué la nouvelle route tracée par le M23 pour piller les ressources naturelles de la RDC vers le pays voisin dont le Rwanda et l'Ouganda. Cette rébellion ne prendra pas la colline minière de Rubaya. Elle va l'encercler et faire exploitation en utilisant les communautés autour. Plusieurs experts avaient appelé à la fermeture de l'exploitation de minerais à Rubaya. Et bah coli à minerai wana yango ya bah coli wana bah coli pour moi bah coli à minerai yango wana voilà bah coli à minerai yango wana voilà merci beaucoup. Et avec ça, pensez-vous que la guerre prendra fin? Non, Kagame a tous les moyens possibles pour nourrir sa rébellion. Chaque jour, le minerai des Rubaya. Rubaya, Rubaya. Je me demande, qu'est-ce qui manque à nos FRDC d'occuper Rubaya? Qu'est-ce qui manque à notre armée d'occuper Mushaki? Vous voulez nous dire que si le FRDC
basali asolelo sur mouchaki sur rubaya bakolongate avec les drones que nous avons, avec les avions de chasse que nous avons, puisque c'est l'unique source. Il y a ravitaillement, il y a M23. La stratégie mise en place par Kagame, les soldats rwandais, les continents, les mandos qui peuvent être mis en tout cas, les mouchas qui peuvent être mis en tout cas, les mandos qui peuvent être mis en bambila bazu mando ki bakoti bazamba bazu siko minere babandi ko tondi sa siko na kati ya nini ya mutuka batondi si minere et si minere coltan coltan pur batondi si coltan na minere misusu bazu nzela na bango oyo batrace na zamba eza kaka libre bakiti na bunagana ba comptoir clandestin oyo mindele ba chakuna ba teki misusu ekoti na mituka e continue Uganda Uganda ki Rwanda Museveni azuya ye Kagame azuya ye ko pezo koba. Mais entre temps nous disons que nous avons des drones, des avions de chasse, nous avons de quoi encore, des Sukhoi ya dengi na dengi, nous avons l'armée qui monte en puissance. Mais la route tracée par l'ennemi sur notre sol reste praticable et aucun, je dis aucun chef, azolo bateki bokanga nzela wana, botelema nzela wana, bo surveiller nzela wana. Et nous disons que tokosi sa guerre. Rwanda taba sanctionné à gauche, ba sanctionné à droite. Mais on se contente que source naïe. Yambongo eza coltan yarubaya qualité nango 10% ya réserve mondiale. Rubaya a 10% ya coltan na réserve mondiale, donc na monde mobimba 10% dim ya coltan ya monde ezande na rubaya. Rubaya Masisi RDC Goma le nord qui vous plutôt 10% ya coltan ya monde les en arubai de union européenne minéra zozo ya ngowana minéré au union européenne zozo ya ngowana te de minéré oyo bazozoa et tant bazozoa bongo ba teki ba sombi mandoki et tant ba osoma mandoki ba yeli susu ko boma biso. Je me demande, notre armée hyper équipée avec le Sud-Africain pembeni batonyo so pembeni zela wana ezaka calibre ndenge nini pour tout le bel kenzele za zamba ba moni ngote mais ezaka calibre ndenge nini mushaki ba kilori wana e ko a gauche à droite ezaka calibre ndenge nini ah balobi munguna za ndenge. Balobi Munguna za na M23 mokonza lobi, je ne vois pas pourquoi je dois me battre pour récupérer M23 Bunagana et puis lobi. Seigneur, monsieur le président. Bunagana. Ah, Seigneur. Zambali misa d'enflement. Zambali misa, Zambali misa. T'es ma passe. Munguna na biso. Munguna na biso azo utiliser ba coin stratégique na ye. Bunagana ezali entrée pe sortie na ye, pe ezali centre économique pour na ye. Munguna na biso. Ça c'est de 1, de 2, Munguna na biso azo utiliser Rubaya bisika azo minerai. Munguna na biso azo utiliser Mushaki bisika azo sala ba ravitaillement na bango nyonso. Donc ndenge tel que nous sommes là. Ce qui tout le but, tout ça là, assaut sur Bunagan, tout ça là, assaut sur Mouchak, tout ça là, assaut sur Rubai, et que ça là, bitumba, ou tout que Bunda ya solo. Et ça, il y a tout ça, ou qui m'a dit que Bouazou, non. Ce qui tout ça, pour ça, tout Bunda vraiment bitumba ya solo. Nous devons aller vers Bunagan, nous devons aller vers Rubai, vers Mouchak. On a bitumba ya solo.
Pour bitumba ya solo wana za pona tout récupérer ba coin na biso. La cité de Bunagana, non seulement ils ont des frontières, mbongo nyonso o ezo kota wana ezana mboko ya M23, ezana mboko ya Rwanda. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ezana frontières, ezana lokola kasumbalesa. Poyo kamalamu. Bunagana ezana lokola kasumbalesa. Bunagana ezana lokola kasumbalesa mukambo sakanya. Bunagana ezana lokola lufu. Bunagana eza bisika oyo marchandise ezo kota ezo bima. Bunagana eza lokola beach frontière bimi ekoti. E Bunagana ezo kende malamu na Uganda. E baloki bakie bakie pa Uganda, Uganda bakie siko na Rwanda. E Bunagana nde yango esika bazo sala bisika M23 vandeli. Aboy na yoko boma population. Avandi wana zui ekomi ya ye. Bunagana ozo yokawana. Donc, c'est plus de 1 milliard de dollars américains. Donc, le Rwanda aujourd'hui travaille avec Bunagana comme cité naïe. L'Ouganda travaille avec Bunagana comme cité naïe. C'est le Rwanda qui décide, c'est l'Ouganda qui décide sur Bunagana. Et la population qui est là, loko la bazo mama bangote, baba na bangote. Ba otana ba konzi ba ko sala ni nini, c'est pas pendant depuis premier mandat à président. Le deuxième mandat, 36 à 37 jours passés déjà, Bunagana est à Ouane. On peut minimiser cette question, mais ça relève de notre faiblesse. Un coin si stratégique comme Bunagana. N'est-ce qu'à toi qui ne ressent la bitouma à Bunagana, tout récupérer Bunagana, tout tic. Mais, n'est-ce qu'à toi qui ne ressent la bitouma à ravitaillé. Bunagana est comme un centre commercial à M23, centre commercial à Ouane. Et ça d'abord frontière, nos commerçants sont là. Bazo fouta mpaku et pas ya M23 et pas ya Rwanda et pas Uganda. Bazo fouta nyons dont Museveni et Kagame se nourrissent na Bunagana. Bah ou la ki toko na Bunagana. Je vous dis, mais bisika bazo bati na ba comptoir clandestin. Ou ils ont te kaminerie. Coltan, or, diamant, nyons na Bunagana. Bah ou te kawan. Bisou tofan tout le bien, Bunagana, on va y perdre. On va vendre le carbone. Tu vas voir ce que tu bondis, tu retardes ce qu'il faut faire. Non, non. Nous sommes en train de nourrir l'ennemi. Museveni est à l'aise. Kagame est à l'aise. Aoulé qui toque na Bunagana. Tiens, mais Aoulé qui toque wana, baso ravitaille mandoki na bango. Yango bozom na Uganda zo pesa. Rwanda zo pesa pa maintenir Bunagana na bango wana. Bunagana est un coin stratégique. Une cité minière. Non, une cité commerciale. Oyo eza na mbongo na douane Rwanda Uganda bazolia na tax bazolia impôt bazolia excuse marchandises na bango ezo kote ezo bima mdo fo tatin ce sont qui dirigent nous nini le sous quartier général na bango makambo tout eza wana biso to vandi to le bibo. Donc, bon, tout là, dans mon côté, nous devons faire la guerre. Bon, maintenant, pour récupérer Bunagana, Mouchaki, Kilori ou consort, il faut déclarer la guerre. Patrick Mouyaï, est-ce qu'il faut déclarer la guerre, monsieur le président, pour récupérer Bunagana? Il faut déclarer la guerre? Non. Pour récupérer Bunagana, il ne faut pas déclarer la guerre. Pour le récupérer Bunagana, le président n'a pas besoin. Il y a des chambres réunies en congrès. Il y a gouvernement. Pour récupérer Bunagana, il faut donner le mot d'ordre. Bah, konzi ba kitawana, armée à Bunda, a récupéré Bunagana. Non. Donc nous avons laissé Bunagana na Munguna. Et Munguna s'organise bien. Ah, ça la va faire naïe. Non. Là, nous devenons de plus en plus faible. Et Rwanda a zodondwa. Eh bien, vimbi ma peka. Bah, yaba kangi Bunagana. Au moment où le Congo y a kanyata village de mon côté na Rwanda. Ni na Uganda. Maintenant, je vous demande, est-ce que pour récupérer Bunagana, il faut déclarer la guerre encore? Monsieur le Président, va cliquer sur les sources, va le dire que les sources de Bunagana te kengan en Angola. Pour récupérer Bunagana, il faut déclarer la guerre.
pour des retenalomi pour récupérer mon chèque. Roubaille, il faut déclarer la guerre. Ou c'est question de faire les assauts. Maintenant, ce système de gêne sur le terrain, je te vois de tout le monde. Bazar, ouais, bah, où l'on a vu sur aller. Bon, ça m'a donné, ok. Bouh, bah, qui m'y a tout zone. L'ennemi au bout d'un an. On a tout ça à copier. Non, on a tout ça pour nous à copier modèle. Là, nous sommes complices à la moune. Là, tout ça à copier modèle. Là, tout ça à copier mon côté. Bien sûr, là, tout ça à copier mon côté. Oui, là, tout ça à l'eau mon côté. Puisque Bango Bazouya Koubondi Sabiso. Bate ba vandi na mouchaki, ba vandi na roubaya, ba vandi na bounagana, ba tina ba comptoir na bango. Moutoye a chipé na comptoir, ba osala minere. C'est que ba sa lèse. C'est que ça écoute une boucle na bango. Ah, donc on peut retenir aujourd'hui que ton quartier déjà bounagana, ton PC en M23, et comme il y a Rwanda, na ya nan, ya nini, ya Ouganda. Des soucis na bango. Et n'denga ba vandi wana, ba sa lèse. C'est tout ce qu'il cherche. Et puis, ce qui est censé être censé être pour l'école, tu peux dire que nous continuons à l'attendre. Tu peux dire que nous continuons. Ok, merci beaucoup. Évitez un seul pour récupérer Bounagana, il faut déclarer la guerre, puisque c'est notre sol. C'est ça la défense. Défense, c'est toujours sur Kaka, on a combien de bois qu'il a. Oui, on boit du coton, on boit du coton, Tikiwana. C'est le fait, c'est le fait. Merci. Évitez un seul, c'est le fait. Je ne sais pas ce que ça c'est le feu au Wapi. Puisque là nous devons nous battre pour notre pays, mais lobby que ça c'est le feu. Là il y a lobby que ça c'est le feu. Je ne sais pas. Mbosso, nabatunai. Hein? Mbosso nabatunai. Tout là dans Mbosso nabatunai. Mitu. Mituka ya mboso, ya ngo wanati. Balobiki wana za mituka ya mboso. Selon une source proche na balobi, RDC 500 jeeps sont déjà à Kinshasa pour octroyer aux nouveaux élus. Source proche Christophe Mboso, Assemblée nationale. Nde o izo tambo dans les réseaux sociaux. Nde moi le quoi 10 secondes na chilibino wana. Siko na ebité. Et ça, il y a solo tout ça, l'écoute. Bien, on ne peut pas vous expliquer. Et ça, il y a solo tout ça, l'écoute. Ce que ça, il y a solo, tu combien de niveau nini? Ce que ça, l'écoute, tu combien de niveau nini? Bango kaka. Ah, bango kaka, merci. Bango kaka. Alors, cher magistrat, gardez votre mal en patience. Bovan dans la kimia. Bango nan, ouais, bango nan. Bango d'abord. Et puis, vous autres après. Et je ne vois même pas que vous serez là après. Non, non. Bango nan, non. Totala bango. Totikalana bango. Bango nan, ouais. Totala bango. Totikalana bango. Bango basala na bakop na bango. Biso tout ça là. Tout va dans le côté na biso. Ok? Bango nan, ouais. Bango nan. Pour ceux qui bango tout qui bango bongote et vous allez n'y n'y et vous allez n'y wanat bango nan bango nan non bango nan ah oui bango nan ah chers compatriotes on t'aime pas si namakamoto zomon ok. On t'aime pas si la Makamoto Omona. Ma passe si ya moutema. Ok. Tout ce qu'il y a là-bas. C'est ce que nous appelons le peuple d'abord, non? Mais ce sont les élus du peuple, non? Le peuple d'abord. Ah, mais tu vas me rester point. Qu'est-ce que tu dis? Quel est le rôle de la France dans les conflits dans l'est de la RDC? Et ses tensions avec le Rwanda. Oh, la France joue un grand rôle, papa. Toyoka. Les combats à l'est de la RDC entre les forces gouvernementales et les rebelles du mouvement de M23, majoritairement les Tutsis, durent depuis 2021.
Le premier grave ou le premier affrontement avait par ailleurs eu lieu entre 2012 et 2013. Bon, Makamwese Belia Rutanga Awa. Nana posa tira bino iloko. Ah la 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 la. Nasina zula ki bino iloko. Nasoye bate et ki mina les sous nenge nin. Bon, dis-moi, Nathan, il y a quelques informations sur Twitter X et puis vous allez comprendre. Ok, voilà. Les silences et l'inaction de la communauté internationale frisent nettement la complicité. En effet, il est inconcevable qu'avec les moyens dont elle dispose, la puissante Organisation des Nations Unies ait échoué à rétablir la paix dans l'est de notre pays. Ah, une première. Ambongo a fondé la communauté internationale. Nakao moins. Bah, Ambongo a fondé la communauté internationale. Nakao moins. Namitouni. Oh, wane zaka kambongo. To ya mutumusus. Eh, zaka aye. Nakao moins kaka. Bah, Ambongo a fondé la communauté internationale. Oui, tout le monde comprend maintenant. Ambongo a compris, il est retourné la raison. Azogi na bomoto à comprendre que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Olukako bundisa ekolo na yo. Ça ne sert à rien. Il faut bisogno ce kubunda. Tomi ma munguna, to bimisa munguna na poisa. Et kozala malamu mingi. Une première, hein? Ambongo a dénoncé communauté internationale. Donc, une première. Ambongo a dénoncé communauté internationale. La cam, mais la monnaie peut dénoncer. Ambongo, au dénoncé. A ça, il peut au Mélina, il y a plus de 30 minutes. Naïsika, ou à dénoncer communauté internationale. La monnaie peut Ambongo a dénoncé communauté internationale. Donc, ok. Merci. Nandingue au dénoncé communauté internationale. Et puis, tu vois comment on appelle tout si. Parce que là, qui marche na bango. Mais bah lobby, biso, dingue zawana, communauté internationale, et singeli Rwanda yé baké, biso toza na Congo, sécurité na biso ezande na Congo, ezana mutu mokote, oyo akopesa sa sécurité na biso, biso toza na toza kaka na Congo. Ah, comme na kamwe. Ah, tout si pe bah lobby bon. Eh bah tout si ko. Non, pas que ça bien l'information moussous, mo comprendre, ma kamozo le kanaka kanamonde. Bon, je remercie du fond du cœur Wana Ezali Martin Fayulu qui remercie les compatriotes Yanini, y a Bruxelles. Ah oui, hein? Tout le monde a compris quand même. Bande Konabi sont à Bruxelles et Lokovasali et Sali Malam. Martin Fayulu a remercié Pebango. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Lorsque les Batoubasali et Loko Malam et tout le monde a télémis à lobby, non, nous devons remercier. Ça fait du bien. Hein? Voilà, ça fait du bien. Alors, nous devons faire de tout notre mieux pour Namokanabiso et Kendeliboso. Donc, on va dater tout ça, la suite de Makamouni et Consort. Ok? Aujourd'hui, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à Windhoek pour assister aux funérailles du regretté président de la Namibie. Bon, on est à Windhoek, hein? Aujourd'hui, on est au lobby. Les âmes qu'on a lotées. Ok? Et voilà. Le Kasaï central élection de gouverneur l'UDPS Kananga ne reconnaît pas la candidature de John Kabea. John Kabea a d'abord son candidat gouverneur la Kasaï central aucune doctrine zambie province Nangaï et aucune le boy dengenin. Un monsieur qui a montré l'incompétence légendaire à la tête de cette province aujourd'hui a commencé sous gouverneur à candidat gouverneur et UDPS PS Zobetele Maboko ah bon ça l'appelle un thème à ce qui va tourner au PSA Bambongo, c'est bien pour la Bino à la Calaise. Hein? Mais la province souffre. Un monsieur qui est resté en panne de stratégie durant plus de Mikolonio soit salé à la tête de la province. Une gestion éparpillée. Azoye Bate Simba Pia Kosala Wapi. Moutoubazo Tanga qui a sa commissionnaire dans le cadre d'entreprise. Ou Ezoya soi-disant pour travailler pour la province. Et vous voulez encore lui confier la province. Ça, c'est de la méchanceté légendaire. Non, ça c'est de la méchanceté. Ça c'est de la méchanceté. Comment vous ne pouvez pas avoir pitié des autres?
Donc, Atabaza ya bino, ce qui est basa ben compétent, bangoba sa la caca. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais la personne que ce monsieur a trahi là-bas, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Mais je vous dis que l'UDPS risque de disparaître dans l'espace Kassai après mon deuxième mandat président Tshisekedi, ce qui va basali makambo, ma population va aussi la connaître. Je vous dis, hein. Je vous dis, c'est un peuple qui a tellement souffert dans l'âme. Natango Bazalaka toujours batouya. Papa Étienne, UDPS, va lutter, va lutter, va lutter. Kabila et les autres, va cochonner Bango. Mais aujourd'hui, vous autres, il y a un kamikaze. Au bas, coca gérer, au bas, pour s'enrichir. Non, c'est au-delà de la volonté humaine. C'est au-delà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est temps pour la RDC de tirer la conclusion que les USA et la France soutiennent les Rwandais dans l'invasion de l'Est. Il est donc impérieux de se tourner vers la Russie, qui a toujours été un partenaire sincère et efficace. La Russie a aidé le Mali à récupérer tous ses territoires. La Russie a aidé le Mali à récupérer tous ses territoires. Bon, président en Angola, comment en Angola, président qui n'a pas côté de ce bien hein? Président. Président. Président, bien-invitation. C'est tout ce que je peux dire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr, bien sûr. Mais lui qui est président va bien dans c'est comme là qui je ne vais pas parler à ma caméra pour personne dans le bawan. Dans le président va bien guéna. Alors, tu as un bon goût. Tu as un bon goût. Oui, tout ce qu'il y a dans nos bons goûts. Ah oui. Info sous fait ça. Bon. Tout mes kakosu qu'il y a dans nos awasiko. Tout mes kakosu qu'il y a dans nos awas. C'est compliqué. Oui, ce que nous avons bien, il y a un peu de temps à passer. Merci, à très bientôt.